Bonjour, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télésaki. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir avec nous Mademoiselle Cassandra Jean-Baptiste, l'une des candidates du concours des jeunes de l'année 2015 de Radio Solidarité pour son entretien à la Radio Solidarité. Mademoiselle Cassandra a 21 ans. Elle est étudiante en droit à l'Université d'Ottawa. Depuis Ottawa, bonjour, mademoiselle Cassandra. Bonjour, frère Tom. Mademoiselle Cassandra, voudriez-vous vous présenter brièvement aux téléspectateurs et téléspectatrices de Radio Télé Solidarité? Bonjour à tous et à toutes. Je suis Cassandra Jean-Baptiste. J'ai 21 ans. Je suis canadienne, mais d'origine haïtienne. J'ai 21 ans. J'étudie en droit à l'Université d'Ottawa. Et je suis principalement des régions de Gonaïves en Haïti. Bon, vous êtes originaire de Gonaïves. Oui. Et qu'est-ce que pourriez-vous nous dire, bon, de Gonaïves et votre ville natale? Gonaïves, c'est une ville côtière. Elle est située au nord-ouest du pays, dans le département de la Tibonite. C'est la cité de l'indépendance. Ça fait Il semble que vous êtes très fier de... Pardon? Vous êtes très très fier d'être Gonaïvien. Exactement. Et comme on vient de célébrer notre indépendance il y a à peu près 2 semaines de ça, alors juste un petit coup d'œil sur Gonaïves. ma ville natale, il y a une équipe de football, comme un des participants du concours, il vient de Saint-Marc, et l'équipe de football de Gonaïves et l'équipe de football de Saint-Marc, c'est genre la compétition brésil-haïtienne d'Haïti, brésil-argentine d'Haïti, donc Si je comprends bien, vous êtes une grande amante du football. non, pas à ce point, pas à ce point, mais juste pour faire la petite comparaison. Mais quand même, je trouve que c'est un sport très intéressant. Je ne le regarde pas, je suis pas une fan du football, mais je le trouve quand même intéressant. Bon, qu'est-ce qui vous a motivé à être l'une des candidates du concours des jeunes de l'année 2015 de Radio Télé-Solidarité? C'est un défi que je voulais relever. J'ai pas encore vraiment participé à un concours en tant que tel, alors je me dis, alors pourquoi pas ne pas tenter ma chance, pourquoi pas ne pas commencer une première fois. Bon, vous avez fait des études en développement international et aussi sur la mondialisation. Oui. Ouais. Et dites-nous comment la mondialisation aggrave les inégalités et renforce les écarts déjà importants entre les riches et les pauvres. La mondialisation, elle aggrave les écarts entre les riches et les pauvres. Par exemple, prenons l'exemple du commerce, parce que la mondialisation, elle se manifeste sur plusieurs aspects. Mais prenons l'exemple économique, avec la mondiale, ouais, commerciale, disons. Avec la mondialisation, on voit que les grandes entreprises, elles déplacent leur main-d'œuvre. C'est ce qu'on appelle la délocalisation. Donc, elles déplacent leur main-d'œuvre vers les pays
moins développés, sous-développés, par exemple, Inde, Haïti, Indonésie, Bangladesh. Donc, lorsque cette main-d'œuvre-là, elle est déplacée vers ces pays-là, ce n'est pas pour le mieux. Ces pays-là, les habitants de ces pays-là, lorsqu'ils vont travailler, ils vont avoir un salaire dérisoire, un salaire qui ne va pas pouvoir leur permettre de subvenir à leurs besoins. Et on sait que les besoins vitaux, les besoins primaires et spécialement, et dans plusieurs cas, ces femmes-là sont nombreuses. Donc, cette mondialisation qui permet ici en Occident, ça nous est favorable dans le sens où les entreprises vendent leurs produits à plus bas coût. Nous, les consommateurs, on achète ces produits-là à plus bas coût. Mais les pays en sous-développement qui sont eux la main-d'œuvre de ces entreprises-là, ils voient leur main-d'œuvre de moindre qualité. Et un pays dont l'industrie principale c'est la, j'ai oublié le terme, mais dont l'économie se base sur la production des biens pour exploiter vers d'autres pays, mais si elle donne seulement ce type d'économie là ne pourra pas vraiment évoluer. On sait que pour réduire cet écart de richesse, il faudrait que non seulement que ces produits-là restent dans le pays, mais aussi que les secteurs soient diversifiés, que les secteurs soient diversifiés, que les produits qu'ils produisent aient une plus grande valeur ajoutée. Donc, je pense que cette mondialisation-là, c'est de cette manière-là, au niveau commercial, que ça affecte l'inégalité entre les pays. Mais quels sont les défis et les opportunités de la mondialisation pour les jeunes? Les défis et les opportunités de la mondialisation pour les jeunes. On est au 21e siècle. Ouais, on est au 21e siècle. On a beaucoup d'opportunités qui nous sont offertes. Il y a beaucoup. Les technologies sont très avancées. Donc, et aussi avec cette mondialisation-là, les jeunes de partout à travers le monde sont plus connectés qu'avant. Par exemple, dans les années 70, il y avait l'Expo 76 à Montréal. On voyait que ce sont les cultures qui se déplaçaient entre guillemets dans un même lieu pour pouvoir se faire connaître aux gens locaux, aux gens locaux. Donc, mais maintenant, avec les vols commerciaux et tous ces voyages, les voyages à rabais, les prix ne sont pas pas si faramineux que ça. Donc les jeunes, ils peuvent voyager, ils peuvent aller visiter des places qu'il y a quelques décennies de cela, ça aurait été difficile d'y accéder. Et en faisant ces voyages-là, ces jeunes peuvent côtoyer des cultures qui leur sont inconnues, apprendre de nouvelles choses, goûter à plusieurs cuisines, parce que je suis une fanatique de la nourriture internationale. Donc ouais, c'est ça, découvrir, de faire de nouvelles expériences
Ouais, la mondialisation, les jeunes peuvent, en fait, les jeunes en profitent et ils doivent l'exploiter aussi parce que c'est une manière de briser les préjugés qu'on connaissait de leur inculquer, parce que en voyant, en côtoyant les peuples directement déjà ici en Occident, on voit que les cultures, elles se côtoient, elles se frottent. Donc, grâce à toute ces vagues d'immigration, de migration, alors les jeunes, ils peuvent apprendre l'un de l'autre, et ainsi évoluer et ne pas se laisser empreindre de préjugés. Bon, pourriez-vous nous parler un peu de vos rêves pour l'avenir? Mes rêves pour l'avenir, j'en ai beaucoup. J'aimerais, à la fin de mes études, pour l'instant, je caresse pour l'idée de me diriger vers le droit de la famille et tout. Je sais que j'ai étudié en développement international, pourquoi pas le droit international et tout. J'y ai pensé, mais pour l'instant, mes idées se sont arrêtées sur le droit de la famille, parce que j'aime droit de la famille, probablement une spécialisation dans le droit des enfants. J'aime les enfants, donc j'aimerais pouvoir défendre leur intérêt. Donc, à partir de là, quelques projets que je caresse comme ça, ouais. J'aimerais probablement quelques décennies plus tard faire une étude, ou du moins prendre part à un projet, parce que j'ai appris dans mes cours que le droit de la famille, c'est le vecteur de transformation sociale. Et il y a plusieurs sociétés qui ont utilisé, par exemple la société française à utiliser le droit de la famille durant la période révolutionnaire pour apporter tout un changement. Il y a, par exemple, les sociétés de religion musulmane, islamique, désolé. Et c'est difficile. Elles ne veulent pas toucher au domaine familial, parce que ça peut apporter un grand changement, et ce sont des sociétés plutôt conservatrices. Donc, si elles apportent des changements au niveau du domaine familial, ça va être effectivement un changement social. Donc, j'aimerais étudier, prendre un projet qui étudierait le droit de la famille en Haïti, pour voir comment, en étudiant ce droit-là, je pourrais prendre part à une transformation sociale en Haïti, parce qu'il y a beaucoup de transformations qui doivent être faites en Haïti. Aussi, j'aimerais travailler avec des jeunes. Déjà, je commence à travailler avec des jeunes et j'aime bien faire cela. J'aime surtout travailler avec les jeunes filles en Haïti, ouais, après mes études, ou du moins, après quelques années avoir travaillé dans mon domaine, j'aimerais travailler avec des jeunes en Haïti, les rester avec, on dit, pour militer pour ces causes-là. Ce sont des choses qui me passionnent. Mais quels sont les grands problèmes et les défis des jeunes noirs et à Montréal? Les problèmes et les défis à Montréal ou bien au Québec? Ouais, ce serait les défis pour les jeunes noirs, ce serait de ne pas tomber, en fait, de ne pas
de ne pas renforcer les stéréotypes qu'on a des jeunes noirs en tant que tels. Par exemple, les jeunes garçons sont des gangs de rue, ouais, c'est ça, des décrocheurs, des gens qui, ce sont des personnes qui font, en fait, qui prennent part à l'industrie du sexe et tout, les jeunes filles ne pas tomber dans la prostitution, dans le proxénétisme. C'est ça le défi des jeunes, de ne pas prendre part à ces réalités-là. Et lorsque, par exemple, on a des parents absents physiquement ou émotionnellement et qu'on est fragile, ils peuvent être tentés, attirés par ce mode de vie-là. Alors, ce serait un grand défi pour eux, pour ne pas tomber, pour ne pas renforcer ces stéréotypes-là. Bon, pourriez-vous faire une différence pour nous entre Montréal et Ottawa? Montréal et Ottawa, ce sont deux villes complètement différentes. Montréal, c'est une ville plus en mouvement, plus effervescente, alors que à Ottawa, c'est plus calme, plus... il y a la diversité aussi à Ottawa, mais un peu moindre qu'à Montréal. Et aussi la population, elle est moins nombreuse qu'à Ottawa. C'est une ville, comme on pourrait dire, de fonctionnaires et d'étudiants, parce que c'est la... Oui, une ville universitaire. C'est ça, c'est la capitale du pays. Alors, les beaucoup de postes gouvernementaux dans la fonction publique s'y trouvent. Et Cassandra, comment peut-on éliminer les inégalités sociales qui empêchent aux pays pauvres d'avancer? Pour éliminer les inégalités sociales dans les pays pauvres, il n'y a pas une formule magique. Il faut tenir compte des spécificités de chaque pays, parce que chaque pays a un parcours qu'il a suivi, chaque pays a une histoire, a une mentalité, une idéologie, un système politique, une religion ou des religions différentes. Alors, il faut tenir compte de toutes ces spécificités-là et de tout et le rôle que chacun de ces aspects-là joue sur l'autre. Alors, ouais, c'est ça, hein, il faut tenir compte de tout ça et de là trouver une solution respectant, en tenant en compte, des spécificités de chaque pays. Ici, en Occident, on a cette vision eurocentrique de dire c'est le modèle européen, c'est le modèle occidental qui doit être suivi et ce modèle-là, si les Européens ou les Nord-Américains l'ont suivi, alors ça peut fonctionner pour tout le monde. Non, ça peut pas fonctionner pour tout le monde. Chaque pays a ses spécificités, alors il faut tenir compte de tout ça, et il faut pas négliger un élément parce que ils sont interreliés entre eux, et c'est en dénouant ces maillons, comme on pourrait dire, qu'on pourra trouver une solution à ce problème X. Ça va pas nécessairement être valable pour un autre pays. Voulez-vous nous parler un peu de la mission d'Haïti à Montréal?
la mission Notre-Dame d'Haïti à Montréal, comme je l'ai dit dans le précédent entretien, elle existe depuis plus d'une trentaine d'années dans le diocèse de Montréal, mais récemment, il y a à peu près 4 ans de cela, grâce aux efforts acharnés du père Yves Touzin, on a réussi à acheter notre propre église. Donc maintenant, on a le gros calcul, le chef et la chevêtresse. dans la mission, il y a plusieurs groupes, comme dans presque toutes les églises, si je peux le dire ainsi. Et l'un des groupes dans lequel je fais partie, c'est le groupe de jeunesse, Amitié Jeunesse. On fait des activités tant spirituelles, culturelles, sociales, académiques aussi, dans le sens où on aide les jeunes à s'orienter dans leur choix de carrière. Donc, on est là pour les jeunes comme un support supplémentaire à celui que l'école et les parents leur offrent. Donc, on est une communauté assez vivante et aussi assez festive, si je peux le dire ici, parce que on se réunit souvent entre nous pour pouvoir soit la cause de ces réunions peuvent être variées, mais on se réunit souvent entre nous, on partage du bon moment entre nous et on ça. Bon, voudriez-vous nous laisser un bref portrait du père Yves Touzin et comment ce dernier vous inspire comme jeune et comme étudiant? Comme jeune, le père il m'a inspiré avec la réalisation du projet de l'achat de l'église, parce que il a su démontrer que en peu de temps, ou du moins dès que on a la volonté, la détermination de parvenir à quelque chose, on peut y arriver. Et aussi, c'est quelqu'un qui nous pousse à avoir le sens de communauté, de l'indépendance, de pouvoir prendre des initiatives par nous-mêmes. C'est quelqu'un qui nous pousse à grandir, à grandir en tant que personne. Et aussi, j'aime beaucoup ses prêches, ses homélies, parce que il applique la parole au fait quotidien aussi, et c'est pas juste dire voilà ce que je dois faire. Il t'aide à comprendre le pourquoi de la parole, ce que ça cache. Donc j'aime beaucoup ces homélies, en tout cas en tant que chrétienne. Lorsque c'est peut-être honteux de dire ça, je ne lis pas souvent la Bible, mais lorsque j'écoute ces homélies, j'apprends quelque chose. Et pourquoi, selon vous, est-il important pour les jeunes d'avoir une très bonne éducation? Il est important pour les jeunes d'avoir une très bonne éducation, parce que ça va leur permettre d'être autonomes financièrement, de ne pas dépendre des parents ou de l'État. Ça va leur permettre d'être
plus heureux, ça c'est sûr, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Il y a plusieurs personnes qui réussissent à être heureux sans nécessairement gagner des millions, mais en ayant une vie confortable, ça peut contribuer dépendamment de la manière dont on définit son bonheur, mais ça peut nous aider à être heureux. Un jeune qui s'éduque, c'est non seulement pour lui-même, pour pouvoir être confortable financièrement, offrir une bonne qualité à lui-même et à ses enfants s'il en a, et aussi c'est pour pouvoir aider sa société, parce que un jeune qui s'éduque, qui par exemple qui arrive aux études universitaires ou du moins post-universitaire, maîtrise, doctorat et tout, ça va aider ce jeune-là à bâtir sa société. On sait que les pays sous-développés, lorsqu'on le constate, ils ont peu de diplômés, peu de jeunes éduqués. Les pays développés, alors que les pays développés, c'est le contraire. Donc, un jeune qui s'éduque, c'est aussi pour sa société qui s'éduque, c'est pour pouvoir mettre sa société en valeur, pour contribuer à l'économie, au progrès scientifique et au progrès au culturel ou tous ces aspects. C'est pour sa société et pour lui-même que le jeune il s'éduque. Voici, et par hasard, le jury de Radio Télé-Slide arrive à vous choisir comme jeune de l'année 2015. Comment comptez-vous utiliser cette prestigieuse position pour faire avancer la cause des jeunes? Si j'arrive à gagner le prix, j'aimerais le mettre au profit du groupe de jeunes à l'église, parce que on a quelques projets en tête. On aimerait par exemple offrir des cours de musique aux jeunes, parce que ce sont eux l'avenir de la mission, et des musiciens pour lors des messes ou lors des soirées, des concerts et tout, on en aura besoin. Donc pour leur permettre de suivre ce cours-là. Et aussi, c'est pas le projet, mais on a discuté entre nous juste pour le plaisir de la Journée internationale de la jeunesse, si je ne me trompe pas. On aimerait... On pense, si on a assez d'argent, de fonds, on pourrait commencer à avancer, à y participer. Donc, ça pourrait être une bonne chose pour réaliser ces jeunes-là. En fait, pour réaliser ces projets-là. Avez-vous quelques conseils pour les jeunes d'Haïti? Le conseil que j'aurais... à leur donner serait de ne pas abandonner, de continuer à aller à l'école. Ça peut être difficile si les parents n'ont pas les moyens, mais d'espérer, d'apprendre, de poursuivre leurs rêves, parce que la réalisation de ce rêve-là peut contribuer, va nécessairement contribuer au progrès social, parce que c'est petit à petit qu'on commence à bâtir une société. Donc, de ne pas abandonner leur rêve, même si peut-être
La société semble les abandonner, mais de caresser leurs rêves et de tout faire pour qu'ils se réalisent. Le dernier mot, mademoiselle et Cassandra. Mm-hmm. Le dernier mot. Oui. Avez-vous un dernier mot? Oh, si j'ai un dernier mot. Merci à vous d'avoir accepté ma candidature, de m'avoir permis de participer à ce concours. Et bonne chance à tous les candidats et à toutes les candidates du concours. Et merci, mademoiselle et Cassandra, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je dois ajouter que mademoiselle Cassandra Jean-Baptiste, elle a 21 ans, elle vit à Montréal, elle est originaire d'Aigounaïves, surnommée la cité de l'indépendance. Elle est très fière d'être une Gonaïvienne. Elle étudie en droit à l'Université d'Ottawa. Elle a déjà fait des études en développement international et la mondialisation. Elle est parmi les étoiles de la grande communauté haïtienne du Québec. Bon, pour ne pas dire du Canada, parce qu'elle étudie à Ottawa aussi. Encore une fois, mademoiselle Cassandra, bonne chance et on va garder vraiment le contact. Merci.